Juste pour vous donner une idée des paysages que vous allez voir dans le film, regardez ça. C'est beau ça. Salut! Aujourd'hui, on a une petite vidéo sur une expédition. Pour vous donner une idée, 6-7 heures de route, l'autre bord de Matagami. C'est une bonne raille. Fait que je suis en train de finaliser d'attacher le stock. Rien qu'à attendre l'heure du départ. Fait que 4 heures du matin, j'atteins ma gang, puis on décolle dans pas long. Ben, on est pas tant en dans le dessin. Rendu à Matagami, on teigne, puis on en redécolle pour sur la route Billy Diamond. Fait que quand on monte dans le nord, il faut s'enregistrer avant de pogner la route Billy Diamond. On s'en harise pas. Rendu à Rivière-Rupert. Et David, on met du gaz? Oui, oui. On n'a pas le choix, hein? Sinon, on ne se rendra pas à Nemisco. Pareil rail, là. Fait qu'on va mettre... On va mettre 2-3-5 gallons. Ben, 3-5 gallons. Puis on va décoller. En deux gars pour tenir un 5 gallons. J'essaye de filmer des perdrix, mais. On a des camionneux en avant. Il y a du monde à l'avant nous autres, fait que. Mais il y en a, on a vu des centaines. On est rendu à Nemisco. Fait qu'on teigne, puis on leur décolle. C'est pour ça qu'on est titre. Finalement, on a envoyé tellement qu'on en frappe. On essaye de les éviter, mais ça fait. On les fesse. On peut pas prendre le gros pour ça, là, mais il y en a. Père, t'es arrivé? Chris, on venait à bout de tabarnak. Fait que là, on débarque tout ça, puis on embarque ses skidoos, puis go. Fait qu'on est pas mal loadé. On va se lâcher dans ces grandes étendues-là. On avait dit qu'on avait fait ça il y a plusieurs perdrix. La preuve. Moi, c'est pas trop un problème sur le 3-3. Ah ben on est rendu. Ça a quand même bien été. Fait que les gars de neige, j'enlève la peau. Et on s'installe. Ah, j'ai pas réussi à filmer tout seul, c'est plus compliqué, mais j'ai réussi à en tuer deux. Une là, puis une là-bas, je sais pas trop où. Fait que finalement, il y a deux. Comme première journée, c'était juste
juste une petite pratique. Fait que, on va arranger ça, puis on va manger ça. Ça va être super bon. Fait que finalement, Valérie. On va préparer une petite entrée de la Gopelle. On va essayer ça. On a 4, 5, 5, 6. 4, 5, 6 avec les. 6, fait que. Comme première journée, c'est excellent. Ouais, certain, rien qu'à aller s'amuser. Là. Fait qu'on va faire cuire ça là, dans pas long. Yes. Fait qu'on a eu une belle journée, une belle arrivée. Fait que ça va finir de même sur le beau soleil du nord. Ah, vendredi matin, c'est nuageux. On voit pas les montagnes. Fait que on va attendre que ça se dégage pour aller à la chasse. Puis en attendant, on va aller faire un peu de bois de poêle. Beau bois sec. Ah ouais, ben plus sec que ça. Pour donner une idée comment on est dans les montagnes, pas son roule en bas là. Le camp, tu vois-tu le camp là-bas? Ouais, on voit le camp de l'autre bout. C'est. Ouais, pris, hein? C'est de la montagne, c'est de la montagne. Là, on est pris tous les deux. Fait qu'on vient de sortir les trois skidoux. On a réussi à avoir chaud. Ah ouais! Là, les gars s'en viennent. Les autres, ils ont des machines. Des machines en montagne. Fait que on vient d'avoir une idée, on s'en va sur l'autre montagne là-bas là, qu'on voit. Elle est encore plus haute, fait qu'on va aller l'essayer. Fait que Aymeric et Justin ils ont fait meilleur que nous autres. Les jeunes nous ont fait la barbe. On change de montagne et ça va brasser. Ça fait là, Aymeric! Aymeric, quand il monte une montagne, il prend ça au sens propre. Fait que là, on va essayer de le décoincer. C'est bon. Il y a de la neige! Ah boy. Pas de neige bien en 2024, mais quand tu montes dans le nord là, il y en a à ta boy. Mais 4-5 pieds ça. C'est beau ça, Pascal! Ça monte bien, bien! Mathieu, c'est à ton tour! C'est beau ça! Ça monte bien, bien! Quand j'ai monté ça, j'avais le choix entre mon 20 pouces et mon 24. J'ai raison d'emmener mon 24 en maudit. Fait que finalement, on prend un petit break. Ouais. Deux jeux de cardio. Ouais. Ouais, je me suis planté. Arrive là, pas long. On voit le sommet.
dit le top d'une montagne, là. C'est ça, le top d'une montagne. Checkez la vue. Incroyable. Et tantôt, on est à l'autre bord. Là, on est traversé. On va admirer la vue un peu. Ah ben, tout ce qui montre dessin, on sort l'autre en bas. On va aller dîner. Pas dur, je le gaz en descendant. On fait du break. Je viens de finir la descente. Ça a bien été, le trail tapé, puis en descendant. Fait qu'on était drette là. Les jeunes sonores. Trop beau. Mal, trop beau. Trop haut. Fait que là, nous autres, on est pris. Puis monsieur. Monsieur essaie de venir nous déprendre, mais. Il y a de la neige. Là, il y avait deux perdrix en haut, mais on les a perdus deux. Ça remplit! On en a deux de calés. Il en reste un. Là, il y a de la perdrix où on est calé. Il en reste un de pas calé. Faut le rester sur le jour, celle-là. Il t'a tapé un peu, mais aussi t'as voulu, regarde. Ouais, il veut rien savoir. Et ça m'en fait. C'est bon. Ce qui est moins le fun, c'est qu'on voit le sein, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça la chasse. Ah, c'est qui tire en tabarnak. Ça, c'est. Allez, Marc-André. C'est beau, ça! C'est beau ça! Hein? Un autre belle petite perdrix. Il y en a pas mal. Hein? Belle perdrix d'âme. Hey gars, elle l'a juste bien pognée en plus. Belle shot ça. Oui. C'est vraiment beau. Hey, il y en avait un peu ça! Dans le petit boulot là, ici. Ouais. Ils sont dans un boulot au soleil, là. Ouais. J'ai l'air d'une lag rapide, là. Ouais. Il y a de la neige. C'est beau, on a si de beau. Ça a l'air grosse montagne de plus. Tu sais, les raquettes, là. Que ça a de l'air, ce perdrix-là. Ouais, c'est bon, ça. Finalement, on en va tuer 20-25 aujourd'hui, là. Ah, ben, tout le monde est à l'ouvrage. Finalement, on a ramené 35, fait que c'est quand même une bonne après-midi, là. Fait que, on a fait d'arranger ça. Samedi matin. Il fait super beau aujourd'hui. Il fait frais cette nuit, presque moins 20, mais là, le soleil va réchauffer ça. Fait que, on va aller se promener un skido, puis chasser la perdrix, puis profiter de cet beau paysage-là. Ce matin, on remonte à la montagne. On va aller admirer le soleil. Déjà rendu en haut, ça m'a pris 10 minutes, c'est tapé. Hier, ça a pris 2 heures, mais on a travaillé. L'école à l'autre bout là-bas. La vue, on va aller la pire. On va aller voir des ravages d'orignaux, fait qu'on va peut-être voir des grands pattes. On sait pas. Finalement, on a punché deux en descendant la montagne. Deux gros. Ouais. Mmh.
Bon, on est revenu, finalement, il n'y avait pas de traces d'ornière, il y avait sous le facard. Là, on en redécolle. On va où? On est à tout là-bas, là. On est viré, là. C'est parti! Puis Billy, la chasse a été bonne? Ben, on a ramené, là, on va revenir, mais faut les arranger, c'est ça qui est moins drôle. Ouais, c'est ça, c'est la partie moins le fun. Ok, là. Il y en a. J'ai été dans le cachet, j'ai une coulée, là, puis j'étais pris là, puis j'ai perdu le carcou, puis en tout cas. Tout qu'une histoire. C'est ça, la chasse, hein? Hey, Mathieu. Ah oui. C'est quoi le lunch à midi? Ah, c'est de la pizza! La pizza? Claire. Ah, regarde, viens voir ça. Ça, tu le barbecue. Ça, des stocks. Ben. Ouais, bon. Ouais. Là, on dîne, puis après ça, on va aller battre une trace pour monter une chaleur à quelque part. C'est ça. Au lac, à petite truite. Ouais, on décolle pour aller battre notre truc. Finalement, Mathieu vient pas, ça va être Gab, puis Marc-André, je pense. On va être trois, fait que on va avoir du fun. Hey, c'est où ce qu'on va battre la trail? On va checker sur le GPS. Ouais, faut checker le GPS parce que c'est tellement grand qu'on a perdu nos repères. Puis, regarde, ça n'a pas été long, hein? Non, on a retrouvé nos repères, mais ouais. Pour qu'on ait pris, c'est pas trop long. Ça a pris 30 secondes qu'on ait pris. Ben, ça monte pas mal. C'est ça qui est le fun. Ouais. On venait vers l'avoir, c'est moins gris. Ouais, là, ben, on va tomber dans les ondes. Il va nous en faire une trail. Ouais, je tape 2-3 fois, puis après ça, je claire au bout. Ah, je suis encore pogné. Gab, il s'en vient. C'est notre pire tapage de ce voyage-là. On a une train de ça. On travaille fort. Quoi tu fais là? On a mérité une petite. Ah oui, hein? On a eu chaud. Ah ouais. Ouais.
on est venu prendre notre dernier petit trail de la journée. Fait que on va retourner au camp. Là, le soleil se couche. On va aller souper. On repoigne ça demain. Dimanche matin, encore une belle journée. Chanceux, on a pogné du beau temps tous les jours. Fait que le matin, on avait tapé la tribe de la chaloupe hier. Fait que le matin, on va aller mener ça. En train de la pelleter. Elle est gelée à terre. Elle a gelé pas mal. Je sais pas, pas comment ça va aller pour la sortir de là. On va voir. Finalement, elle est gelée bien dur. À la gang, on va finir par l'avoir. Pascal, il s'en va avec la chaloupe. On est cointé. On va être avec quoi, craindre ça. C'est un beau tour. De Martin jusqu'à Beaucourt. De 50 ans à Kidjouik. En roule en faisant de la musique. Roule, roule, roule dans le chemin. Roule, roule, roule en hiver. C'est le même qu'on monte une chaloupe. La job est faite, les gars. Ça va bien fait. On est rendu. Ça a bien été. Ah oh, ouais, ça a bien été. Donc, on fait de l'exploration. On saute d'un lac à l'autre. Ça a comme pas de fin. Là. Ça, là, t'as de bien bourré de moucheté. Là, les lacs, on est ici. Là, les petits lacs qui est là. On vient d'embarquer encore sur un autre lac. Mais là, on va retourner vers le camp. On va aller préparer pour dîner. Là. Yeah! Hey Marc-André! C'est beau ça! Enfin! Ah! Yeah. Puis Mathieu, t'as réussi? Le beau blond rond, hein? Ouais, c'est. T'as un certain talent, hein?
journée tire à sa fin. Je suis venu prendre une bière sur la montagne en regardant le soleil se coucher. Lundi, c'est la fin. C'est la journée la plus triste du voyage, mais qu'est-ce que tu veux? On sort. Oh là là! On est rendu au pick-up, on est chargé. Chaîné. Chargé, chaîné. On décolle. Allô, le pas de la pêche était bonne? Pas super. Vous avez de la pêche rouge? Bon, ben, c'est la fin. La fin d'une belle aventure. J'espère que vous avez aimé ça. On se repogne dans une autre vidéo.